comme pour toutes les autres pêcheries thonières en fait. L'ICAT, c'est une ORP, une organisation régionale des pêches, qui avait dans ses tâches l'obligation pour les pays contractants de fournir les données de capture. Mais évidemment, à partir du moment où il y a eu instauration des quotas, tous les pays ont essayé plus ou moins de ne pas fournir les données ou de les donner trop tard, etc. Et donc, il y avait un problème de manque de données précises, quoi. C'était dans les années, je sais pas, 95-96, quelque part. Oh là là là, les répercussions que l'on a eues. On a eu tous les malheurs du monde après. Hein, et en plus, on était dénoncés par les Espagnols et par les Italiens qui trichaient encore plus. Alors. Tant que la direction de pêche ne nous dit pas de stopper, on ne stoppe pas. Donc on attend la fin de la saison, on pêche. Quand on arrive à la fin de la saison, on arrive, moi je porte mes papiers, l'autre il porte les papiers, hop, nous sommes à 10 000 tonnes. La vie est courte, les délices du bonheur substantiel, la mort frappe.